Ça prendra 2 secondes. Et encore. Tu te débrouilles vraiment bien. Ça t'embouche un coin. Si vous apprenez quelque chose à son sujet, surtout dites-le-moi. Cloud, je compte sur vous pour toujours m'aider à avancer dans mes recherches. J'espère que vous continuerez de m'aider en récoltant les données des rapports de combat. Avant l'effondrement du plateau. Ouais. Le farniente. Y'a que ça de vrai, hein? Hein?
Et maintenant, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Tout le monde va retrouver le sourire. Cette musique, je trouve qu'elle est très relaxante. Ah ! Dites, est-ce que je peux m'approcher pour mieux entendre cette chanson ? Je l'ai toujours beaucoup aimée. Ben oui ! À quoi me sert de vivre plus longtemps ? Peut-être pas le bon disque. J'ai l'impression que personne ne se sent mieux. Ils font encore tous la tête, j'ai l'impression. C'est peut-être pas le bon disque. J'ai l'impression que personne ne se sent mieux. Ils font encore tous la tête, j'ai l'impression. Peut-être pas le bon disque. J'ai l'impression que personne ne se sent mieux. Ils font encore tous la tête, j'ai l'impression. C'est peut-être... J'ai l'impression que... Ils font encore tous la tête, j'ai l'impression. C'est peut-être... Ils font encore tous la tête, j'ai l'impression. Si vous avez d'autres disques, donnez-les-moi, d'accord ? C'est terminé. Je peux quand même pas passer ma vie à me morfondre. J'ai perdu absolument tout ce que je possédais. Peut-être... Ils font encore tous la tête, j'ai l'impression. C'est peut-être... J'ai l'impression que personne ne se sent mieux. Ils font encore tous la tête, j'ai l'impression. C'est peut-être... Ils font encore tous la tête, j'ai l'impression. C'est peut-être... Ils font encore tous la tête, j'ai l'impression. C'est peut-être... J'ai l'impression que personne ne se sent mieux. Ils font encore tous la tête, j'ai l'impression. Ils font encore tous la tête, j'ai l'impression. C'est peut-être... Ils font encore tous la tête, j'ai l'impression. C'est peut-être... J'ai l'impression que personne ne se sent mieux. Ils font encore tous la tête, j'ai l'impression.
Tiens, mais où est le garde de la Shinra? Tiens, mais où est le garde de la Shinra? Cloud, je compte sur vous pour toujours m'aider à avancer dans mes recherches. J'espère que vous continuerez de m'aider en récoltant les données des rapports de combat. Tiens, mais où est le garde de la Shinra? De la Shinra. Aujourd'hui encore, gardez le Colisée vous ouvre ses portes. Il paraît qu'il s'est volatilisé. Y'a personne.
C'est encore vous? Qu'est-ce que vous voulez? Pour tout avouer, on cherche un moyen d'aller sur le plateau. On s'est dit que Cornéo en connaissait peut-être un. D'accord, je vois. Si c'est que ça, j'en connais un, moi aussi. T'es sérieux? Dis-nous ce que c'est! Venez par ici. On va voir ce qu'il nous propose. J'ai un truc à régler en bas. Si vous acceptez de me donner un coup de main, je vous expliquerai le moyen d'aller sur le plateau. Qu'est-ce qu'il y a en bas? C'est bien les égouts, non? Qu'est-ce que tu veux y faire? Cornéo a un repère secret. Il faut que j'y aille. J'espère que t'es pas en train d'essayer de nous tendre un piège. Si c'est ce que vous croyez, tant pis. Je trouverai bien quelqu'un d'autre pour m'aider. Et vous irez chercher ailleurs un moyen d'aller là-haut. Bon, d'accord. On va t'aider. T'es sûr, Cloud? S'il nous trahit, je le tue. J'y vois aucun problème. On compte sur toi. Je vous en dirai plus quand on sera en bas. J'espère que vous êtes prêts. On y va quand vous voulez. Venez m'aider! Hey! Enfoiré! Ah non, excuse-moi! Je t'en prie! Cloud, détache-moi! Merci! Des types de la Shinra ont débarqué d'un coup, tu vois. Ils m'ont accusé d'avoir divulgué des infos et de servir à rien, et puis ils m'ont attaché comme ça! Bon, c'est pas tout, mais je dois filer à la revoyure! Thank you.
Vous êtes prêts? Bon, alors on descend. Et c'est quoi ce trou au juste? C'est un piège destiné aux intrus. Hein? Personne n'en est revenu vivant. Enfin, jusqu'à ce que vous y alliez en tout cas. Donc, tu vas nous expliquer le moyen d'aller sur le plateau. Si vous remplissez votre part du marché. Va pas t'imaginer que t'as gagné ma confiance. Si je soupçonne la moindre entourloupe de ta part, tu vas te retrouver transformé en passoire. Garde plutôt tes balles pour ce qui nous attend. Ça grouille de bêtes dangereuses dans le coin. Si j'étais tout seul, ce serait vraiment risqué. Mais vous, vous devriez en faire qu'une bouchée, pas vrai? Réglons ça rapidement. Il faut aller au Grand Canal, à la limite avec le secteur 7. Passez devant, s'il vous plaît. Moi, je vais vous suivre, un peu à distance. Thank you.
c'est plié. Pas de problème. J'ai bien transpiré. Aucun challenge. On pourrait faire que vous demandez. Voilà. Le signe d'avalanche? Ça doit être lié à cette clé que Jesse avait fait faire à Biggs une fois. J'aurais vraiment aimé pouvoir leur dire qu'elle nous a servi. Tifa. Nous ferions mieux de nous dépêcher. Désolé de vous interrompre comme ça, mais il faut passer par cette porte pour aller au canal que nous cherchons. C'est bon, on le sait! Voilà, on est arrivé. Par ici. Il y a une porte avec l'emblème de Cornéo dessus dans les environs. Avant, c'était bien fermé ici. Je vous laisse sécuriser les lieux, d'accord? Ouais. Eddie, j'ai une question. Lors de l'audition, pourquoi est-ce que t'es venu nous aider, au juste? Parce qu'Andy me l'avait demandé. Seulement pour ça? J'étais pas prêt à prendre autant de risques que vous. Hein? Allez, dépêchez d'avancer. La cachette de Cornéo est très proche. Je préfère passer devant à partir d'ici.
C'est là? Ouais. Et ce moyen d'aller sur le plateau? C'est là-dedans. Et qu'est-ce que t'attends pour entrer? Désolé, mais... j'ai encore un peu besoin de vous. Non, pas ça! Attends! Pour l'attraper! Mais... c'est très important. Il a pris la clé de la porte. Allons-y. Il vient de tourner au coin! Thank you.
peuvent pas faire quand on est assez ardent. Continue comme ça. J'allais te le dire. On te fera pas de mal. Alors reste où tu es. Faire carnage. Ah, plutôt te faire une. Je peux pas lutter. Prends ça. Laissez filer. Rends-le-moi. C'est quoi? S'il te plaît. C'est ça, ta clé? Désolé. Et j'imagine que c'est pas le tien, n'est-ce pas? C'est un souvenir de ta mère? J'ai pas de famille. On a poursuivi un beau rêve, un rêve précieux. En langage des fleurs. Tu devrais m'oublier. Ça vaut mieux. Il y a 6 mois, après que Cornéo l'a choisie comme concubine, je ne l'ai plus jamais revue. Avant de partir, elle m'a rendu ça. Sympa, non? Il m'avait coûté une petite fortune. Et qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Me venger. Je sais bien que ça la fera pas revenir. Mais si je saisis pas l'occasion, je sens que je le regretterai toute ma vie. Fais comme tu veux. Du moment qu'on peut aller sur le plateau, on te suit. T'inquiète pas. Je vous en fais la promesse. T'as marqué des points. Passons par ici. C'est un raccourci.
salaud de Cornéo. Il perd rien pour attendre. Laisse-moi lui régler son compte. Hein? S'il vous plaît. Entendu. Vraiment bien. Ça t'embouche un coin. Alors, c'est bon, là? On les a tous, maintenant? Et du coup, on fait quoi? Ça prendrait sûrement du temps de les vendre. J'ai une idée. On pourrait les confier à Merle, si le but est d'aider les gens du secteur 7. Attendez-moi ici. C'est vraiment une bonne idée de laisser y aller seul. C'est moi, Leslie. Je suis venu vous livrer un message important. Ah oui? Tu es seul? Oui. Henri? Et où sont mes petits chatons d'avalanche? Si je ne m'abuse, c'était pourtant ta mission de me les ramener! Je suis désolé. C'est ce dont je voulais vous parler.
Leslie. Tu n'es pas sans savoir pourquoi je me cache dans ces égouts. Les petits châteaux d'Avalanche m'ont coincé. Et j'ai un petit peu trop parlé. La Shinra n'a pas vu ça d'un très bon œil. En détruisant complètement le plateau, elle espérait beaucoup plus de victimes que ça encore. Mais il a fallu que les petits chatons viennent s'en mêler. Ils ont fait fuir ces rats du bidonville. Il faut que je te dise un petit secret. La Shinra veut abandonner Midgar et créer un nouveau paradis dans un tout autre endroit. J'y ai fait ma place. J'étais destiné à devenir le patron du nouveau Wall Market. Et maintenant, je suis recherché. Leslie. Et dire que j'avais envisagé de te confier la direction de ton propre établissement. Oh, tu me déçois beaucoup. Et maintenant, un petit quiz. Quand les grandes crapules dans mon genre se mettent soudain à raconter toute la vérité comme ça, c'est dans quel type de situation, hein? Quand ils sont persuadés d'avoir gagné. C'est ça. Tu en es persuadé? Oh mais... Que faites-vous là? Parle-moi du secteur 7. Qu'est-ce que t'as eu à voir dans tout ça? Ah, là! Oh, regarde, là! Non, mais tu te fous de ma gueule, là! Oh, hi, tant pis! Parce que je me fous pas du tout de votre gueule, en vérité. Oh oh oh, à toi de jouer, mon poussin! Fais-leur des gros poutous! Au revoir. Enfle. On va d'abord faire taire celui-là. Hé ! J'arrive ! Ça va? Où est Corneo? Désolé, il nous a échappé. Tant pis. Je le retrouverai bien. De toute façon, j'ai rien de mieux à faire. Rien de mieux que ça? Que de chercher Corneo? Cherche plutôt ta fiancée.
On se rend compte souvent trop tard qu'on aurait dû oublier sa fierté. Mais pour toi, il est encore temps. Langage des fleurs. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là? Retrouvailles. Hein? C'est ce que cette fleur signifie. Je crois que vous avez raison. Je vais la chercher. Je vous remercie. Deux secondes. T'as pas oublié ta promesse, j'espère. Non, je sais. Ah, voilà. Sortons d'ici. Que je vous montre comment aller là-haut. On peut enfin respirer à plein nez. Par ici. Pistolet grappin. Suffit de tirer pour accrocher le grappin, et puis de rembobiner le câble. Derrière le mur, là-bas, c'est le secteur 7. Avec ces grappins, il n'y a pas un mur ni une pile de débris qui vous résistera. Mais ils sont pas faits pour la descente. Mieux vaut vous dire que vous pourrez pas revenir une fois monté. Avant d'y aller, assurez-vous d'avoir rien oublié en bas. Merci beaucoup. En vérité, nous aussi on cherche quelqu'un. Je vois. Je vous souhaite bonne chance. À toi aussi. Les gens qui ont évacué les... Tiens, vous voilà. Cadeau de l'ange gardien. Elle dit de vous en servir pour venir en aide au secteur 7. Attendez, vous voulez parler de la célèbre justicière? Ne me dites pas que vous l'avez rencontrée? Non, on a juste eu le message. Ça alors, l'ange gardien en personne. Oh, c'est vraiment généreux de sa part. J'en ferai bon usage, c'est promis. Ah, j'y pense. Prenez donc ceci. C'est le genre de chose qui pourrait vous être utile, non? Le plus de gens possible. Bon, quand tout le monde sera prêt, on se met en route. Est-ce qu'ils sont là-bas, papa et grand frère? Je l'espère. Ils nous ont gentiment apporté de la nourriture. Alors, ouais, on sera le plus de gens possible. Quand tout le monde sera prêt, les gens pourront évacuer.
Il y a tant à faire. Par quoi commencer? Bienvenue. On ne propose pas que des médicaments ici. Merci. On a un peu de tout ici. J'ai dit un œil. Reviens me voir. Oui. J'ai entendu quelque chose à propos de Cornéo qui pourrait vous intéresser. Il paraît qu'il possède plusieurs chambres cachées un peu partout dans les égouts. Maintenant que j'y pense, on n'a pas revu Iris. Vous êtes prêts? Quand on aura passé ce mur, on pourra pas revenir en arrière facilement. Je sais pas pour vous, mais il y a quand même une partie de moi qui aimerait aider un peu plus les gens d'ici, avant d'aller casser du soldat Shinra. Vous voulez vraiment y aller? On pourra pas revenir ici avant un bon bout de temps. Mieux vaut finir tout ce qu'on a à faire ici avant de se mettre en route. Vous êtes prêts cette fois? Quand on aura passé ce mur, pas de retour en arrière, hein? Je sais pas pour vous, mais il y a quand même une partie de moi qui aimerait aider un peu plus les gens d'ici, avant d'aller casser du soldat Shinra. Vous voulez vraiment y aller?
c'est pas rien. Ça te fait envie ? Oh oui ! Il y en a au moins un qui est content. Aerys, elle a besoin de nous. Alors, volons à sa rescousse. On y va. C'est bon. On va les buter, ces sales fumiers qui pourrissent notre planète. Je rentrerai dès qu'on aura sauvé Aerys. C'est promis. On y va. Avec tous ces débris partout, tout pourrait s'effondrer à tout moment. Dis, il est où mon papa ? Ça va aller, tu verras. Elle est de la Shinra, elle arrive quand ? Soyez prudent. C'est encore plus dangereux par là. Nous devons sauver notre ami. C'est pas une bonne idée. On est capable de gérer. Je vous aurais prévenu. Faites attention à vous. Plutôt une bonne équipe. Ouais, c'était pas mal.
Faut qu'on grimpe là-haut, alors? Si jamais ce machin s'effondre, on va finir écrasé en bas. C'est pas comme si c'était la première fois. On devrait déjà être mort 10 fois, avec tous les risques qu'on prend. C'est bloqué? Vous croyez que cette corde vient des sauveteurs? On devrait pouvoir monter par ici, non? Avec le grappin, ça devrait aller. Vise les cordes qui pendent là-bas. Essaie de pas tomber! Vous savez, les pistolets grappins, c'est tout un art. Vous comprenez? Une fois en haut, on redescendra plus. T'es prêt à y aller? Y aurait pas une corde qui pend quelque part? Un jeu d'enfant! On va vite s'ennuyer à ce rythme-là. C'est bon, je sais. Le plus important, c'est sauver Iris. Accrochez vos grappins là-bas! On va traverser! Faut tenter le coup. Qui va là? C'est vous! Le groupe Avalanche! On les a trouvés! Envoyez des renforts d'urgence! Eh ben bravo! On peut dire que pour la discrétion, faudra repasser! Les agents du Wu-Tai, attaquez-les! Ils sont là! Coincez-les! Fini pour toi! Les approuvés! Encerclez-les! Espérons que ça va pas s'effondrer cette fois.